Bonjour à tous, aujourd'hui on part en trip, en camping trip, donc on va aller rider cet après-midi. On va dormir dans le désert en mode de camping un peu. Ça va être folklore. Donc je vous montre, j'ai tout préparé, j'ai pris une petite douche, un petit bidon d'eau, voilà la moto bien sûr, les équipements. Et puis derrière, c'est un peu le bordel, on a bon mon casque, plein d'affaires de rechange, des couettes de partout, un matelas gonflable. Enfin bref, allez c'est parti, on a 2h30 de route. On se dirige vers la frontière mexicaine. Bon, il faut quand même que je vous montre les paysages. Ils sont incroyables. Regardez. C'est magnifique. Magnifique. C'est hyper particulier. On a un énorme lac. Je crois que c'est un lac salé d'ailleurs. Et là, désert, désert, désert. Depuis ça fait une heure et demie que je roule là. Alors, on a quitté la ville. C'est le désert. Oh là là, tout le monde est là! C'est trop stylé, regardez-moi ça! Oh là 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 là! Il y en a partout des gens! C'est trop bien en fait, chacun est dans son coin! Hop! Ah, ah, je crois qu'on est là nous! Allez, on est parti pour le premier ride de la journée, du week-end même! Dingue. Bien le bonjour à tous. On a fait 2h30 de route pour aller dans un endroit méconnu. De où? Yeah papa! Wouhou! Oh là 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 là! Wouhou! Oh je kiffe sa mère! C'est trop bien! Ouais, alors là. Ouais, c'est le kiff! Oh, 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 oh. Et la différence que ça fait d'avoir des pneus neufs. Oh, incroyable! C'est trop kiffant gros. Oh c'est kiffant. On va essayer de le filmer. Allez, oh beau gosse. That's amazing. It's amazing. Wow. En fait, c'est ça qui est dangereux, c'est que tu le sens pas, tu peux aller très très vite. En fait, tu peux vite te faire surprendre par des cailloux ou un peu de sable comme ça là. C'est vrai que c'est quand même traître. C'est quand même traître l'affaire. Franchement, et mon pneu neuf, il me sauve la life. C'est incroyable. Oh putain, en fait celle-là, elle était vicieuse, par exemple. Oh putain, c'est vrai que ça fait bizarre là. Là, c'est Tandax. J'ai trop peur qu'en fait, c'est Calpé qui... Nickel. Yepa. C'est pentu hein. Pas dangereux mais. Yeah, yeah. Okay. C'est incroyable, j'espère que vous m'entendez, il y a un peu de vent. C'est. En fait, à perte de vue, tu peux aller où tu veux. C'est un terrain de jeu gigantesque. C'est dingue. C'est dingue. Putain, c'est dingue. On y est les gars. Putain. T'imagines, tu vois ça toute ton enfance et là tu es. C'est dingue. Oh, on a le point. Ah,
Alors là, je sais pas où est-ce qu'on va. Mais putain, là, t'aimerais trop avoir un buggy, quoi. Je suis avec mon crew, frère. Qu'est-ce que tu vas faire? Touche un membre de ma team. On fera rien. Ils étaient une fois les grands méchants loups. Wow, il fait quoi le frérot? Ah, c'est trop kiffant. J'ai les jambes en feu. Petite pause au milieu de notre ride, on a Brandon qui a perdu un vis sur sa moto. Donc là on est au magasin, ils ont un magasin. Et on va voir ce qu'ils ont en stock. Regardez, c'est quand même sympathique, on est au milieu de part, mais il y a tout le monde vient ici pour se faire plaisir, quoi. C'est ça, c'est le feu. Les gars, c'est le rêve. Quand tu penses que t'es le plus gros ici, faut savoir qu'il y a toujours plus gros que toi. C'est un truc de fou. Et pourtant, regardez, il y a des trucs costauds, hein. Nous à côté, on est des rigolos. Allez, on profite du paysage. C'est grandiose. C'est magnifique. Non mais là t'as, en fait c'est ça. Quand t'es un amoureux de la nature et des espaces, là je suis heureux en fait. Genre je suis bien, je suis apaisé. T'es bien putain, t'es bien. Ok, donc là je viens de me toucher. La moto est posée juste là. J'ai eu la canne à faire avec quelque chose, je pense. De toute façon, j'ai le Giro-Ride, donc je suis plutôt serein. Puis on est tous autour. Et du coup, je vais préparer tout ça. Regardez, j'ai le matelas là que je vais installer et je mettrai les draps ensuite. J'ai peur un peu qu'ils soient pleins de poussière, donc je les mettrai au dernier moment. Ils sont juste dans l'habitacle. J'ai pris une petite douche, elle était fraîche, mais elle a fait un bien fou. De fou, de fou. C'est incroyable d'avoir les prises dans le oh. Allez, on a le feu. Oh, on va être top. Voilà où je vais passer la nuit. Donc regardez, il y a même les petites lumières comme j'avais montré sur Insta. Hop, là on a la moto à Brandon, la mienne, et là on va se mettre au coin du feu, faire bien à manger. Et elle éclaire vraiment pas mal cette petite frontale D4. Hop. Et puis voilà, on est nickel. Donc ils sont quand même très forts parce qu'ils ont amené une télé pour qu'on regarde un film. Faudrait que je vous fasse des photos du ciel, on verrait rien, mais c'est magnifique. Barbecue time! Donc là ils sont en train de faire un appel post-student. En gros, c'est des breast washes pour que ça réchauffe les fesses. Genre des fesses toastées. Ça m'a hurt. Sorry. You're doing it next. I know, for myself I will. Ooh, woo, woo. Thank you, Logan. Yes, sir. Ça commence à faire des coups. Where are you going? You can
getting his shit stuck. He's getting it stuck. Il s'en fout. Yeah, you can't see anything. J'avais une lampe frontale, du coup je lui ai donné. Deux flips. Les types veulent que je leur amène une lampe des quatre. Ça chill, hein. Hop, il peut mettre des braises. Là, comme ça, t'as pas trop fait. Bon, il est 1h30. C'est l'heure d'aller au dodo. Je me suis mis là. En vrai, pour le moment, je suis bien. J'espère qu'il n'y aura pas de vent. Mais je suis trop bien. Puis là, j'ai une vue sur les étoiles. Vous avez pas idée, c'est dingue. J'ai jamais vu ça. On a des kilomètres et des kilomètres de... la première ville. Pff, c'est dingue. Bon. On se retrouve demain pour le ride. Puis bonne nuit à tous. Ciao.